Bonjour, alors dans ce très court truc et astuce, je vais vous dire comment changer le mode de sélection de Blender. À la base de Blender, en fait, lorsqu'on ouvre Blender pour la première fois, donc déjà on n'a pas cette scène-là, on a une scène avec un cube, comme ceci. Le mode de sélection pour sélectionner un objet est le bouton droite. Pour sélectionner un objet comme je le fais ici, je dois cliquer sur le bouton droite. Celui qui est à l'exact opposé de tous les logiciels qui existent sur le marché, dans le graphisme et même tous les autres types de logiciels, même les traitements de texte, même les autres et aussi bien sûr les autres logiciels de 3D comme 3D Studio Max ou Maya, où le mode de sélection se fait avec le bouton gauche. Ici, le bouton gauche déplace le curseur. Pour les gens qui sont habitués à d'autres logiciels, c'est vrai que ça peut être un peu déconcertant au départ, en fait, surtout pour les débutants. Donc je vais vous montrer la technique très simple pour pouvoir changer cela. Donc il suffit d'aller dans Fichier, User Preferences, aller dans Input, ici dans Select With, donc vous allez sur le côté gauche, dans Select With, vous cliquez, ici vous avez par défaut Right qui veut dire droite et Left qui veut dire gauche, vous cliquez sur Left et ainsi vous pouvez sélectionner avec le bouton gauche. Ce qui permet ainsi à Blender de pouvoir se rapprocher de d'autres logiciels et cela vous permettra d'avoir une utilisation plus facile de Blender. Voilà, c'est tout pour ce très court truc et astuce. À très bientôt pour un prochain tutoriel ou un prochain truc et astuce.